Oui, alors bonjour, je m'appelle Fred, donc je bosse au magasin Otavalo. Alors là, on va vous présenter un petit peu les sélections ski qu'on a fait cet hiver pour les télémarqueurs. Donc ici, vous avez le Line Supernatural 92, donc un ski all mountain avec une rigidité assez importante pour les télémarqueurs qui aiment bien avoir des skis avec beaucoup de relance. Les télémarqueurs aussi aiment également avoir un ski avec des talons plats, justement pour avoir plus de stabilité, plus de relance et surtout plus d'accroche en fin de virage. Et je vous présente aussi le Faxon, la jante 100, un ski de rando qui aime bien les télémarqueurs également. Un ski un peu plus, surtout plus léger et un peu plus souple pour des télémarqueurs qui aiment avoir une polyvalence un peu plus importante. Alors nous avons également Black Crow, K2 et Salomon. Alors il existe deux normes. Je vais vous présenter la première norme qui est la norme ancestrale, qui est la norme 75. En fait, la norme 75, c'est un béquet, comme vous voyez sur la chaussure, qui est prise sur l'avant. Donc nous avons deux types de fixation, fixation alpine et fixation de randonnée. Et donc la nouvelle norme NTN qui existe depuis quelques années déjà, qui elle est un petit peu différente, qui elle par contre prend tout l'avant du pied par rapport à la norme 75 qui prend que l'avant. Donc c'est pareil, nous avons la fixation de modèle, la fixation alpine et la fixation de rando. Voilà. Et la dernière nouveauté, la fixation Mejo de M Equipment, c'est une nouvelle fixation qui est déjà plus légère et qui permet d'avoir un peu plus de débattement à la montée. Et avec une option de talonnière arrière pour permettre de faire à la fois du télémarque, de la rando et du ski alpin. Alors, une grosse sélection, surtout chez Scarpa. Voilà, donc nous avons la T2, donc qui est une chaussure orientée randonnée, un peu plus randonnée parce qu'elle est très légère. La version femme sur celle-ci. Et ensuite, donc, sur une chaussure un peu plus rigide, 4 crochets, la T1. Voilà. Et ensuite, nous avons la norme NTN avec la TX Pro. Voilà, donc version homme et version femme. Et un peu de Scott, donc avec la nouvelle version NTN, avec les inserts pour pouvoir aller sur la nouvelle fixation Mejo. Et nous avons également un parc de location orienté télémarque pour permettre aux gens de découvrir une nouvelle discipline avec des sensations de glisse différentes.